Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, c'est de la bonne, ça. Ah, salut Checkpoint, comment ça va aujourd'hui? Ah, je sais ce que tu veux et je sais aussi ce que vous voulez. Nope. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel élément qui est la MFFF. C'est bon, j'ai bien tout. Ouais. Qui est donc le French Musical Furfest. Mais oui, je vais en parler un peu plus. Il s'agit d'un événement en ligne qui va se passer du 18 au 20 juin sur Discord, encore une fois. Sauf que cette fois, il s'agit du tout premier événement musical Fury en ligne. Oui, organisé par le French Furfest. Et alors, à cette occasion, justement, juste avant la fête de la musique, vous allez pouvoir venir assister à plusieurs concerts, mais aussi des cours de chant, par exemple organisés par Gérion. Hein? Je sais pas si vous connaissez, mais bon, il paraît que c'est un petit loustic qui est passé sur The Voice. On aura aussi Shimoon par rapport à ses présentations musicales. On a aussi Black Fang, Bouddha aussi, qui pourront vous parler de poèmes, de musique. Et aussi Redrea, avec tout ce qui est de la musique assistée par ordinateur. On peut tout faire maintenant avec la musique, c'est incroyable. Mais bon, pour tout ce qui est du côté art et dessin, vous avez aussi des panels d'artistes qui vont être là, comme d'habitude, pour vous en mettre plein les yeux, en plus les oreilles. Et même Rimou sera là pour vous apprendre un peu l'issue. Mais c'est grâce à lui et puis pas mal d'autres artistes qu'on a fait un prochain projet. Mais oui, t'en fais pas, je n'oublie pas, Checkpoint. Il y a aussi tout ce qui est jeux et animations. Bah, vous allez pouvoir vous retrouver ensemble pour refaire des bons jeux. Hein, que ce soit Yakuto, Nagongus, mais pas que, hein. Il y a même Pitou et après Virager sur League of Legends. Hein. Donc, si vous aimez pas, balancez-lui des carottes. Ouais. Je l'ai trouvé dehors, mais crois-moi, pour l'apéro, elle est pas mal. Bravo le caméraman! Ainsi que des panels sur le fursuiting présentés par Wushi et Smithvarg. Ah, et bien sûr, oui, tu veux savoir quand est-ce que ça se passe? Bah, ça commencera dès le vendredi soir à partir de 20h30 et après pendant le samedi et le dimanche, ça commencera à partir de 11h. Vous avez un bon week-end pour en apprendre et surtout vous revoir et reprofiter de bons moments ensemble. Donc voilà, tenez-vous informés sur le serveur Discord de l'événement. À partir de là, vous aurez vraiment... Oui, je fais mes vocales, est-ce que voulez-vous? Tu te calmes. Vous aurez donc toutes les informations sur le déroulé de l'événement. Mais oui, mais t'en fais pas, j'oublie pas les trucs les plus importants, parce que bien sûr, vous aurez le fameux open cast pour venir vous amuser avec toute l'équipe cast, et surtout participer à l'aftercast où là, oh là là, avec DJ Yokai, DJ Washitaka, croyez-moi, ça balance du lourd, mais ça. Calme-toi, Checkpoint, calme-toi, je sais très bien. Vous avez aussi, surtout pour cette occasion-là, deux concours qui vont vous être proposés. Tout d'abord, pourquoi je suis là? À part pour proposer du quiz Caroune comme d'habitude. Non, je suis là aussi pour vous proposer de participer ou simplement d'assister à un concours de danse en ligne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Et surtout, de vous éclater sur la piste et nous faire voir vos plus belles chorégraphie. Mais nous avons aussi un autre concours très intéressant, il s'agit d'un concours de chant. Donc il est temps de montrer vos plus belles voix. Regardez, j'ai même acheté un micro pour l'occasion, hein. C'est incroyable. Et si même moi j'y participe, sincèrement, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Te croyez-moi. En fait, je vais pas vous vendre le concours de danse si je vous dis que je participe. Non, mais c'est très cool. Franchement, il y aura des bons participants. Venez et inscrivez-vous. Inscrivez-vous, n'hésitez pas. Ouais, le truc marrant avec ce genre de micro, c'est qu'on peut faire ça. On peut refaire de l'ASMR. C'est trop bien. Non, t'aimes pas ça. Bah, c'est pas grave. Abonne-toi quand même. Pouce bleu. En tout cas, on vous attend avec grand plaisir, que ce soit pour de la musique, pour chanter, mais surtout pour profiter d'être ensemble. N'est-ce pas, le Checkpoint? Quoi? Mais quoi? Mais de quoi tu parles alors? Je crois que j'ai oublié de laver sur les décos. Je suis vraiment désolé.
Non mais, c'est l'heure préférée. C'est quoi? Mais arrête! Mais non, mais! Oh, pourquoi il râle tout le temps? Bon bah désolé pour le dérangement, en tout cas, je vous souhaite un plus tard pour la NFF. Je vous dis ciao et des bisous. T'as pas oublié de parler quelque chose là? Non, je vois pas. Qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs, Yuki? T'as, change pas de sujet là. Je te signale, tu devais parler d'autre chose dans ta vidéo. Alors d'après ma liste des courses, non, j'ai pensé aux pâtes, au riz. Bon, c'est vrai que les cookies, faut pas oublier de les rajouter. Un peu de sauce tomate, des chaussons, des... Mais non, Robeta, je te parle bien sûr de la carte ouverte. Ah oui, mais on avait des placements produits pour Normandie Fur. Pas grave, c'est la cartoon fer après tout. Mais c'est vrai, la cartoon fer. Enfin, l'événement physique, bordel. Et oui, c'est parce que ça va se passer du 3 au 4 juillet à Bourg-la-Reine, c'est-à-dire au sud de Paris. Il s'agit d'un événement sur la thématique des dessins animés auquel nous avons la grande chance d'avoir un espace furie auquel il y aura justement plusieurs artistes qui vous attendent. Tenez, en voici 8 pour vous faire grand plaisir. Faites attention à votre porte-monnaie, hein, ça fait longtemps qu'on n'en a pas profité. T'as parlé aussi de la Fursuit Lounge? Ah oui, c'est vrai. En plus, il y aura une Fursuit Lounge auquel vous allez pouvoir vous changer. Et aussi, truc pas mal, hein, c'est l'entrée qui est offerte aux Fursuiteurs. Il vous suffit simplement de venir vous présenter à l'entrée et tada. Mais pensez quand même à rapporter un minimum votre tête, votre queue et vos mains. Ouais, surtout le second truc, quoi, c'est très important. Sinon, les prix d'entrée sont simplement de 10€ la journée, 16€ le week-end, et si vous avez la moulaga, 30€ pour le nuit. Voilà. Et en plus de ça, il y aura pas mal de petites animations sur place pour pouvoir échanger, discuter, apprendre à faire un peu de dessin, par exemple. Il y aura aussi la conférence. Ah bah oui, c'est vrai, la conférence. D'ailleurs, il va falloir que je commence à la travailler, sinon je vais me faire engueuler encore une fois. Tu es vraiment qu'un sale fainéant, quand même. Oh ça va, t'abuses, écoute, je me réserve juste pour la nocturne. Car il faut savoir que l'événement se passe de 10h à 19h, mais le samedi soir, nous aurons une nocturne de 19h à minuit. C'est vraiment une des grandes premières aussi. Vraiment incroyable ce qu'ils font la carte de fer. Amusez-vous, mais avec modération. Oh non, pas encore lui. Mais bon, ça va être enfin l'occasion de se retrouver, de se faire des parfums, des gratouilles. Attends, n'oublie pas aussi quand même, on est encore en période de Covid. Ouais, bon bah, comme quoi. Donc dans ce cas, quand même, pour l'événement, le truc important, ça sera de soit se faire la piqûre, soit de se faire mettre un truc dans le nez, pour avoir votre fameux passe sanitaire, c'est important pour entrer. Oui, bonjour, désolé, ici Réblaise du montage. Oui, on aime bien la galère ici. Non, c'est juste pour vous informer que par rapport à la tenue des événements et l'évolution des choses, eh ben, le pass sanitaire n'est pas obligatoire, car il n'est obligatoire qu'à partir de 1000 personnes. Donc les organisateurs n'ont pas voulu le mettre en place. Voilà. Bien sûr, les mesures des gestes barrières seront toujours de vigueur. Masque, gel, tout ça, distance et tout. Vous connaissez déjà la paperasse. Bref, on vous recommande surtout de prendre soin de vous et des autres. Allez, j'y retourne. À plus tard. Et en fait, tu veux une banane? Dis ça parce que je suis noir? Mais sinon, tu savais que tu pouvais simplement dire aux gens de se rediriger vers le site internet? Ah oui, le site internet avec l'article, c'est vrai, c'est... Mais pourquoi tu m'obliges à faire une vidéo alors? J'ai pas que ça à faire! Je sais pas, j'aime bien t'embêter. Ça s'arrêtera jamais! Bon, en tout cas, je compte sur vous, câlin, vous soutien, tout ça, lors de l'événement. Franchement, ça va être très très plaisant d'enfin se retrouver ensemble, physiquement. Ouais. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Bon bah sur ce, éclatez-vous bien et on se dit à plus. Ah ouais, c'est ça, à plus. Mais qu'est-ce que fait une banane dans mes chichis?
Bonjour, je suis le chien de garde de Biki. Je vous présente aujourd'hui la Belzébuth. La Belzébuth, j'en bois quand je suis stressé au boulot. Ah là là, Ré me donne beaucoup de travail. Je suis beaucoup stressé. C'est pour ça que je bois la Belzébuth. La Belzébuth me donne toute l'énergie qu'il me faut, du coup, afin d'accomplir mon travail. Belzébuth. Luisant. T'as fini ton placement de produit, on a tout à faire. Bordel.